Salut à tous, bah écoutez, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a un petit vent de nord-est dehors, donc j'espère que ça ne va pas souffler trop fort dans le micro. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter en fait une petite butte que je suis en train de réaliser. Alors, si vous m'avez suivi hier, hein, je vous ai dit, j'ai déménagé il n'y a pas très très longtemps, juste avant l'hiver. Donc, j'ai un potager entier à refaire, tant mieux, parce que du coup, ça va nous filer plein de boulot, on va pouvoir partager plein d'expériences ensemble. Je me suis décidé à faire des petites petites buttes. Alors, c'est un peu particulier, on en est au tout premier. En fait, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement récupéré mes premières tontes. Voilà, je mélange quoi? Mes vieux restes de légumes avec. Et puis, il y a plein de taupinières où je suis en ce moment. C'est vraiment, on va dire, ça pourrait être infernal. Mais finalement, j'ai considéré que c'était une aubaine. Déjà parce que ça aère le sol. Et puis aussi parce que tout simplement, ça me donne plein de terre. Voilà, un peu cette terre que vous voyez ici, là, qui est finalement assez meuble, même s'il y a quelques petits graviers que j'enlève au fur et à mesure. Voilà. Et voilà, je mélange tout ça. Hein, je mélange mes tontes de gazon, mes restes de légumes, cette terre de jardin. Et puis j'arrose de temps en temps, quand il pleut pas. Et puis voilà, c'est en train de me constituer une butte, hein, sur laquelle je vais planter dessus dès cette année. Vous voyez, il y a même des restes de charbon de bois. J'ai réussi à faire marcher mon barbecue hier. Voilà, j'ai mis dessus. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Et puis je vais la prolonger, hein, cette butte. Voilà, je vais la prolonger un peu plus loin par là. Et on va voir ce que ça va donner toute la saison. Je pense que ça va être assez fertile et que ça peut être assez intéressant, hein, d'accord, pour essayer de faire quelque chose de sympa au niveau potager et avoir un bon rendement de légumes. Alors, pour accélérer un peu tout ça, quand même, voilà, j'ai rajouté un truc que j'ai trouvé, un activateur de compost, donc ça s'appelle Natria, voilà. Écoutez, si je vous trouve le lien sur YouTube, je vous mettrai, enfin, si je vous trouve le lien Amazon, un truc comme ça du produit, je vais vous le mettre. Alors, ils vous mettent un principe actif d'origine naturelle, ce qui semble être le vrai. Alors, je vais vous montrer les. Je sais pas si vous allez réussir à lire l'étiquette, si, a priori, voilà. Hein, ça s'utilise pour accélérer la transformation des déchets végétaux en terreaux, mauvaises herbes, feuilles mortes, tombes de gazon, déchets végétaux de cuisine. Donc voilà, c'était bien ce que je voulais faire. Voilà, hein, dedans il y a de l'azote organique, des farines de plumes hydrolysées, des concentrés liquides de la vinasse de betterave. Voilà. Donc faut aussi garder le milieu un peu humide. Voilà. Alors le truc, moi j'ai vraiment pas acheté cher ce que j'ai trouvé en solderie, mais ouais, je pense qu'on peut le trouver dans les jardineries ou éventuellement sur Amazon. Bon, si je trouve le lien, je vais vous le mettre pour vous faciliter la tâche. Voilà. Hein. Et donc voilà, je mélange mes restes de légumes, mes tontes de gazon, la terre de jardin, un peu de, vous voyez, mes restes de barbecue. J'essaie de faire une petite butte, j'arrose pour que ça, et puis en ajoutant de l'activateur de compost, j'ai remis un petit peu avant. Hein. Et puis j'arrose. Et puis voilà, je pense que prochainement, dès que la température va permettre de planter, voilà, j'aurai déjà des buttes assez fertiles, toutes prêtes. Là, je plante rien en extérieur parce que franchement, il fait très très froid dehors le matin. J'arrive à avoir des moins 3, moins 4 ici. Donc voilà, tout va griller, quoi. Voilà. Bon, je vous présenterai d'autres trucs dans les prochaines vidéos. Hein. On va s'y remettre à fond. Je pense que je vais aussi construire quelques petits carrés potagers avec voilà, des vieilles palettes et tout. Donc, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Voilà, et écoutez, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Abonnez-vous aussi à ma mailing list, là, donc les infos au jardin. Comme ça, vous recevrez une alerte automatiquement quand j'ai des nouveautés à vous proposer. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, les amis jardiniers, moi, je vous dis à bientôt.